Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un jour de loterie aujourd'hui. Aujourd'hui, il va faire beau. C'est même une canicule. On est à l'été 11 sur 14. Ah, bon, on n'aura pas de pluie. C'est au moins ça qui est sympathique. Et j'ai une chose à voir, ça va être l'anniversaire d'Irène qui deviendra adolescente aujourd'hui. Déjà! Ouais, le temps passe vite, mais le temps passe. Pour la loterie, je pense qu'il faut faire sur le téléphone ou sur l'ordinateur, donc je suis pas sûre qu'on puisse le faire. Bon, je vais le faire, mais voilà, hein, en espérant que on ne gagne pas. De toute façon, on a déjà assez de thunasse. Si on gagnait 1 million à la loterie, je pense que, enfin, je sais pas ce qu'il adviendrait de la partie, quoi. Ce serait oufissime. Alors, un petit peu de fer à cheval avant d'aller en cours. Ah bah non. Finalement, Gisèle, elle va préférer aller faire un peu de violon. Oh punaise, c'est quoi cette toile? Oh Marguerite, tu nous as vraiment fait de la merde. C'est pas possible. Alors, comment ça va, Simone? Ça se dit. Ça lui divertit pas mal quand même de jouer à ça. Hein. Qu'est-ce qu'il vient faire lui? Il vient discuter. Toi, tu vas te lever aussi, hein, tu vas pas rester comme ça à rien foutre toute ta journée, ma belle, hein, je te le dis direct. Oups là! Pourtant, meuf, t'es pas si loin, hein, tu devrais réussir quand même plus facilement à mettre un fer à cheval à la tour de ce bâton, non? Ah, ben voilà. Ben non. Allez, Marcel part en cours, tout le monde part en cours. Ah oui, elle a mis sa petite robe d'été. Hey! Elle aussi, elle a mis sa petite robe d'été? Non. Bon, t'es pas grave. Tout le monde part. À tout à l'heure, Irène, ce sera ton anniversaire. Maman, on va préparer un gâteau. Et on va tous les faire se faire des amis. Vous savez, c'est toujours important et intéressant pour qu'ils trouvent chaussures à leurs pieds pour la suite du challenge, pour créer une nouvelle famille. Mais on n'y est pas encore. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Tu pourrais peut-être faire quelque chose de ta life, attribuer une tâche, préparer un repas familial. Voilà. Et puis tu nettoies, je sais pas, tu fais quelque chose. Après, Albert, tu vas t'occuper de toi. Marguerite, c'est pas à toi de faire la vaisselle. Et elle l'a fait quand même. Tu vas vendre ça. Tu vas critiquer et tu vas vendre cette magnifique œuvre d'art. Pas du tout à l'heure des mœurs actuelles. Non, ce que je. Oui, si. Allez, elle aurait perdu son étoile la cette dernière fois. Je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Bon, alors que Albert, lui, il l'a gagné en mettant seulement un point, enfin, une chanson, une composition qu'il avait faite. Parce que j'en ai plusieurs dans l'escarcelle, il faudra que j'attende 1 semaine avant de remettre. J'ai peur parce que. Oui, c'est bientôt l'anniversaire de Simone, on va bientôt passer à la décennie d'après, c'est ouf. J'ai peur qu'il perde aussi son étoile parce qu'il n'aura pas refait quelque chose avec sa notoriété, quoi, ça je veux dire. Eh ben voilà, son rapport de droit d'auteur du morceau composé Mon frère disparu lui a rapporté 241 simflouzes. Waouh, quand même, hein. Il est balèze le petit Albert. Donc j'étais en train de me demander. Est-ce que tu peux. Oh oui, tu peux jouer des trucs comme ça. De tout mon cœur, tiens, viens jouer un petit peu, Albert. Tout le monde aime quand tu joues du piano. Fais-nous rêver. Ragtime et du post-pop? On va essayer. Du ragtime. Cool, la douce. Et elle le regarde. Ah oui, hein, il est talentueux ton homme, hein. Bon Marguerite, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un petit gâteau d'anniversaire pour ta fille quand même. Un gâteau aux fraises, tiens. Feu sur les projecteurs, sur Albert. Ah bah oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, il va perdre son statut parce que il fait rien. Et en même temps, c'est normal, on fait rien quoi, on fait rien public.
Faut pas que je sois la seule à profiter du piano d'Albert quand même. Je vous en laisse profiter. C'est trop bien, hein. Moi je kiffe, hein. Et ça, c'est la musique ragtime, du coup. Voilà, c'est la dernière que j'avais dit. Cool, cool, ma douce. Vraiment très, très, très sympa. Et ben voilà! On a déjà perdu notre niveau de célébrité pour Albert. Ah oui, bah écoutez, hein. En même temps, je peux pas me servir du téléphone, c'est normal. On peut pas. Ah, un ticket de loterie, c'est plus 100 en notoriété. Allez! On va voir si ça fait. Si je regagne mon étoile ou pas, juste en achetant un ticket de loterie. Allez, vas-y, mon petit Albert. Ça fait de la notoriété. Eh ben non, ça ne fait pas regagner du tout de notoriété. Oula! Mais ça rentre de l'école avec des amis, là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu peux aller voir les abeilles, là? Qui sont assez furieuses. Tu vas nouer des liens et tu vas récolter le miel. Voilà, histoire de... Bon, je sais, il fait très chaud dehors, mais on va essayer de pas les tuer. De la tuer. Oula! Ouh là 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 là, bah tiens, ah bah voilà, il y a du monde quand même là. Oliver est revenu? Ah non, attendez, c'est qui celui-là? Mais qui est donc ce jeune homme? Attendez, il y en a plusieurs là. Il y a Gideon Aragon. C'est plutôt pas mal. Critique à... Non, 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 tu as complimenté cette mue. Et là, c'est qui? Bo Blomgren. Alors c'est vrai que j'ai ajouté des foyers un peu... Voilà, oh punaise, il est très 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 skinny celui-là. Je suis pas sûre qu'il ait de quoi bouffer chez lui. Et lui, il a pas l'air mal, hein. Ah, il est pas dégueulasse. Oui, j'ai ajouté des foyers en fait. Je tape decades et je vois des foyers. Ou même sans mettre de decades, j'ajoute des foyers de temps en temps, histoire de renouveler toujours les mondes qu'il y a dans le monde en fait, tout simplement. Qu'il y ait des nouvelles têtes et tout ça. Et pas toujours les mêmes foyers qu'on voit tout le temps, quoi. Allez, on va faire venir la famille. Tu vas réinviter Louise, tu vas inviter Oliver, tu vas inviter Gustave. Bon, Arthur, on peut pas l'inviter. Tu peux inviter Marina, tu peux inviter Louise, Audrey, Sophie. Ah, ouais mince. On va inviter pas mal de gens là pour l'anniversaire d'Irène. Je pourrais faire un événement, mais je me dis que non, finalement, là, on va y aller tranquille ou bidou. On va juste les faire venir comme ça, c'est déjà pas mal. Il y a du monde partout, il y a du monde partout. Ah oui, ça y est, elle est bien élevée, bien élevée. Bah c'est bien tout ça. Il y a Mireille qui est là, il y a bah tout ça, il y a tout le monde quoi, il y a toute la familia. Il y a Jacques le vieux avec sa femme, la belle Louise. Devenir meilleurs amis, oui, bah, se plaindre de la canicule. Voilà, on va discuter un peu avec tout le monde. C'est sympa tout ça. Ah, ils sont des câlins, c'est mignon quoi, c'est trop chou. La belle Mireille, hein, on s'en remet pas. Entre elle et Lulu, franchement... Ah bah, et, normalement, Lulu, il doit arriver aussi. Hein. Je l'ai invité, je sais pas où il est. Il devrait être dans le coin, peut-être, je sais pas trop. Mais bon, il y en a partout, des enfants, là, voyez bien que... Enfin, des enfants. Il y a pas que des enfants, il y a tout. Il y a des ados et des adultes, c'est la folie, quoi. Bon, et puis on va fêter l'anniversaire après, maintenant que tout le monde est là, quoi. Bon, c'est Apple Pins, mais on va souffler les bougies, là. On va essayer de faire venir le maximum de monde. Comme c'est pas une bande, bah, du coup, ça se disperse un peu beaucoup. Happy birthday, Irène! Attention. Et elle grandit, donc elle a vieilli. Je ressors mon petit plan des années 1930. Tous sims atteignant l'âge adolescent durant cette période devront prendre un des traits suivants. Lancez le dé. Alors, je vais lancer le dé. Bien sûr, je ne l'ai pas préparé parce que je suis une nulle. Non, alors attention. 6. 6. Ambitieux. D'accord. Ambitieuse. La voilà ambitieuse. Que pas un mal, sauf qu'il faudrait que la faire travailler. Bon, eh bien, mauvaise nouvelle. C'est parce qu'il n'est pas disponible pour quand on atteint l'âge adolescent. Je relance 5. Non, ça ne marche pas.
Et on a un matérialiste. Oui, donc il faudrait qu'on change les règles puisqu'on atteint. Ce n'est pas possible d'avoir ambitieux quand on devient adolescent, mais bien en étant jeune adulte. C'est logique puisque on est ambitieux quand on a un travail, quand on veut faire un travail. Et là, il ne travaille pas encore. Et en tant qu'aspiration, est-ce que je ferais pas nature pour ch changer un peu? Pro de la pêche, plutôt conservatrice, non? Ou amatrice de plein air. Allez, on va faire amatrice de plein air. Et elle a l'air méga jolie. Bon. Waouh! Voilà. Alors, elle est plus ronde que ses sœurs. Elle a toujours la bouche très fine. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est pas des mochetés à nos filles, donc c'est cool. Bon, ben, appel à table. Voilà, c'est l'anniversaire, hein, c'est la fête. C'est la fête à neuneu. Eh, mais c'est Germaine! Ah oui, dis donc, t'as quasiment la même tenue que Louise. C'est cool que tu sois là, Germaine. Tiens, du coup, est-ce que on peut complimenter tout ça, discuter avec les cousins, cousines? Ouais, t'es un rondelette, hein, ma belle, hein? Il va falloir aller faire du footing. Hein. Bon, pas aujourd'hui parce que c'est la canicule, mais dès que c'est possible, tu iras. Je le dis, tu iras. Oh là là, il n'y aura pas assez ça seul gâteau hein, quand même. Hein. Il y a vu le monde qu'il y a à la maison. L'excitation du jour de loterie. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner? Hein? Votre avis, est-ce qu'on va gagner le jour de la loterie? Moi, je ne pense pas. Hein. Mais bon. Et Lulu, il est pas là, Lucien. Mais il est où, Lulu? Est-ce que tu l'as appelé quand même? Lulu, il est où? Lulu, fais-le venir. Ah non, moi je veux voir Lulu, hein. D'ailleurs, je rappelle que le foyer de Louise et Jacques, avec Lulu et Mireille, il est disponible dans la galerie si vous les voulez, parce qu'ils sont très très beaux. Et d'ailleurs, le foyer aussi de Albert, Marguerite et leurs quatre enfants est aussi disponible. Bien sûr, c'est les enfants sont encore enfants ou bambins, hein, mais il est disponible dans la galerie. Vous pouvez télécharger Agent Shirley. C'est mon ID Origin. C'est le bordel, je m'entends même pas parler. Oh la vache, c'est fou. Ouais, ce que je pense, c'est qu'il faudrait vraiment une plus grande salle pour recevoir toute la famille, quoi. Ouais. Il va falloir que je fasse des améliorations dans cette maison. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. La prochaine décennie, je serai obligée de refaire la maison en certains sens. Donc, ça viendra et je ferai en sorte d'avoir une grande salle de réception. Parce que là, tout le monde comme ça dans la cuisine, c'est trop petit. C'est trop petit. J'avais pas capté, il est quand même tard. Il est quand même tard. Irène, Irène, reviens ici. Tu vas te changer, on va te relooker un petit peu. Et elle va faire ses devoirs là. D'accord, oui. Non. Mais toi, tu dors, hein. Fais pas la sieste. Allez, on va voir à quoi elle ressemble, Irène. Et voilà à quoi ressemble Irène! Ouh là là! Ouh là là! J'aime pas son profil, mais du tout. Elle a un problème avec son nez. Oh. Et puis la bouche qui ressort comme ça, c'est très bizarre. Bon, alors, elle fait la gueule comme ça, de premier abord, mais... Ouais, non, ah, franchement, ma préférée pour l'instant, ça reste quand même la petite Gisèle. Bah, remarquez, avec son pif, c'est pas mieux, hein. Ouais, ils ont toutes le pif pareil, quoi, hein, si je regarde. Non, elle a pas le même nez. Ok. Alors, va falloir que je trouve encore une fois un truc pour les différencier, les trois sœurs, là, avec la mère, là, ça fait trop de... Même tête, je vais avoir du mal, je crois. Bon, en tout cas, la voilà. Voilà, elle est un petit peu grasse. Hein. Un petit peu grasse, mais ça donne de la grâce. Je vais la relooker et je vous retrouve donc, du coup, bah, juste après, une fois le relooking de Irène fait. Et voilà pour le relooking de Irène. J'ai gardé du coup la même coupe de cheveux qu'elle avait en étant petite. Qui est donc la coupe de cheveux aussi d'une Germaine, si je ne m'abuse pas. Et pour elle, je suis restée du coup dans les codes coloris un peu bleus, parce que sinon, j'ai pas beaucoup de CC pour cette décennie-là et tout ça. Donc, je me suis dit, autant rester dans les codes couleurs, comme ça, je les reconnaîtrai plus facilement. C'est déjà, je confonds juste deux personnages, alors vous imaginez pas le bordel avec trois filles qui se ressemblent.
vous n'avez pas de compréhension facile. Alors, première tenue de jour, deuxième tenue de jour. Évidemment, hein, je remets les mêmes choses, hein, comme d'habitude. Tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue de fête. Alors, oui, tenue de fête. Je suis partie plus dans le rose ce coup-ci. Ouais, pourquoi pas. Tenue de maillot de bain. Oui, j'ai mis rose aussi. Pourquoi? En plus, je sais que c'est bleu. C'est pas grave. On va mettre bleu. Tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Voilà pour le relooking de Irène. Oh là là. Marguerite, elle est repartie dans son trip de partenaire volage. Tu vas te calmer, meuf. Il n'a rien fait. Arrête, il parle avec sa sœur et sa belle-sœur de... Oh, oh si, il s'est passé un truc avec la belle-sœur. Ah, oh, je suis choquée. Je suis choquée, I am choked. Ah, Lulu! Lulu nous a fait l'honneur de sa présence. Ah non, je suis dégoûtée. Enfin, je suis dégoûtée qu'effectivement, il a vraiment fait un truc. Là, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Peut-être vous avez-vous vu ce qui s'est passé. Moi, j'ai rien vu. Et je vais revoir en faisant le montage. Les feux de projecteur sur Marguerite. Bah oui, mais on le sait. Elle a déjà plu son truc, hein, de toute façon. Ah, comme quoi, ça s'entretient. Hein. Oh, la tête. Elle va finir enragée, elle. Oh, mon Dieu, mais horrible. C'est horrible, il a faim, il s'est passé un truc, c'est... Ah, je... Non. Albert, non, tu me déçois. Ou c'est peut-être juste la belle-sœur qui l'a dragué aussi, hein. On sait pas, on sait pas. Là, elle lui dit, tu t'approches encore une fois de mon mari, ça va chauffer pour ton cul. Connasse. Pardon. Jour férié, t'es horrible. Bah oui, bah elle a pas acheté de ticket, c'est normal. Une seule fois, tu t'approches de mon mari. Je te défonce. Allez, vas-y, demande-lui de partir et ça ira mieux. En plus, t'es la dernière debout, comme d'habitude. Et elle va s'en aller, t'inquiète pas. Et puis elle est moche. Tu crois qu'Albert... Albert, qu'est-ce que t'as foutu avec elle? Franchement, c'est pas possible. Oh là là, elle est vénère. Elle est vénère, Marguerite. Bon, Marguerite, tu vas te calmer un peu. Et puis après, tu iras te coucher. Oh là là, il y a encore du monde à la maison. Hein. Ah, Mamie Jo est de sortie. Coucou, Mamie Jo. Coucou, Mamie Jo. Voilà, tout le monde est parti se coucher en même temps. Il y a école demain, faut pas oublier. Il est 2h30 du matin. Alors, jeudi, il pleut. Et des orages. Ah bah, pour changer, je vais avoir des orages, moi. Bon, eh ben, c'est pas très très grave. On va attendre que tout le monde s'en aille. Et puis, on va pouvoir reprendre le cours de notre vie quotidienne. Et prochainement, ce sera Marcel de grandir aussi. Dans combien de temps il grandit? Dans 5 jours, hein, on a le temps, on a le temps. Eh ben, je pensais que ce serait plus rapidement que ça. Allez, Marguerite, elle va aller se coucher en étant très en colère encore. Bon, tout le monde n'est pas parti. Comme vous pouvez le voir, il y a Louise et Gustave qui sont encore là, mais à mon avis, ils vont pas tarder. Hein. Ils vont pas tarder. De toute façon, tout le monde est couché. Ah, bah, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que... Ah, t'as estimé que t'avais assez dormi? Tu vas prendre un bain en pleine nuit. D'accord, ok. Bah, écoute. Tu vas te prendre... Déjà, tu vas admirer ton nouveau bien et tu vas prendre un bain de mousse. Oh, oui, tu pues. Ça craint, hein. Est-ce que tu vas à l'école demain? Oui, en plus. Bon. Allez, prends ton bain, ma belle, et on va... Oh, Gustave et Joe! Bah oui! Bah ça y est, ils s'en vont tous. Voilà, on va retrouver notre petite famille uniquement, et on va dire à monsieur majordome d'aller se pieuter, parce qu'à un moment donné, vu qu'il fait rien d'autre que lire, et puis vous voyez là, il laisse la vaisselle en plan comme ça, et les trucs crades, et les trucs cassés, il ne fait rien. Et elle, notre héroïne du jour, reprend un peu de bonnes choses à faire, quoi. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner et tout ça. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decades Challenge ou d'autres choses. Et salut!